qui sera prédit, l'incarnation qui devrait avoir aujourd'hui. À cette incarnation, il prépare un remède contre elle, c'est quoi? La parole, oh, oh, oh. Le message de l'homme, c'est ça le remède contre cette incarnation. Oh, oh, oh. C'est quoi? La parole, oh, oh, oh. Le message de l'homme, c'est ça le remède contre le péché. Il a déversé l'esprit de l'Église aujourd'hui dans l'Église pour voir le péché des morts et savoir le surmonter. Il a déversé l'esprit de l'Église aujourd'hui dans l'Église pour voir le péché des morts et savoir le surmonter. Oh, ça c'est une dose bien calculée pour transformer un pécheur. Un chrétien, ça c'est une dose bien calculée pour transformer un pécheur. Un chrétien, c'est quoi? La parole, oh, oh, oh. Le message de l'homme, c'est ça le remède contre cette perversion. Oui, c'est quoi? La parole, oh, oh, oh. Le message de l'homme, c'est ça le remède contre le péché. Mon frère, ma soeur, vous qui êtes dans ce message, si ce message vous rate, qu'est-ce qui va vous rattraper? Mon frère, ma soeur, vous qui êtes dans ce message, ce message vous rate, qu'est-ce qui va vous rattraper? Grâce au message, c'est Christ lui-même qui se déverse dans l'Église ou s'exprimer au travers de vous. Si tu restes régénéré, c'est qui t'attend? C'est le jugement. Quand tu as pied, tu ne descends de Christ. La parole, oh, oh, oh. Le message de l'homme, c'est ça le remède contre cette perversion. C'est quoi? La parole, oh, oh, oh. Le message de l'homme, c'est ça le remède contre le péché. C'est quoi? La parole, oh, oh, oh. Le message de l'homme, c'est ça le remède contre le péché.